Bonjour à tous, bonjour pour ce troisième webinaire spécial coronavirus et centre de langue. La thématique que l'on aborde cette semaine est quelles réponses, quels outils apporter dans un contexte low-tech. Nous allons avoir comme intervenant aujourd'hui Pauline Durand, qui est chargée de cours à l'Institut français du Togo. Et bonjour Pauline. Bonjour. Et Etoufiane Bensaïd, qui est donc directeur des cours à l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba. Bonjour Etoufiane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, un petit tour de l'interface pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement des webinaires de l'Institut français. Il y a donc tout d'abord en haut de la fenêtre où nous intervenons, où vous nous voyez, vous avez une petite cloche et vous pouvez cliquer dessus si vous ne souhaitez pas entendre tous les bruits des notifications et des messages qui sont déjà très très nombreux dans le chat. À droite de cette petite cloche, donc vous avez les quatre onglets. Donc le premier onglet, c'est le chat où vous pouvez discuter entre vous. À côté, l'onglet questions, et c'est là où vous pouvez poser des questions aux intervenants. Si vous les posez dans le chat, elles risquent d'être perdues dans le flot de la discussion. Donc, l'onglet questions pour des questions pour les intervenants. Martin Lafitte de l'Institut français anime le chat et également répondra aux questions.
et les intervenants pourront y répondre aussi à la fin. À droite, vous avez l'onglet « Sondage ». N'hésitez pas à répondre à ces questions qui nous permettent de mieux comprendre qui vous êtes et comment on peut adapter le contenu de nos webinaires à vos attentes. Et le dernier onglet, c'est les participants, et vous êtes déjà plus de 400 à nous suivre. Alors, la question d'un contexte low-tech, en fait, nos intervenants reviendront sur ce que l'on entend par low-tech, mais on va trouver des réponses avec des outils en fait qui sont très perfectionnés, qui sont très avancés. L'idée, c'est d'avoir des réponses agiles et quel que soit le contexte où vous êtes, vous allez pouvoir trouver des éléments de réponse et des actions très concrètes à mettre en place dans votre établissement à destination de vos apprenants. Alors, on va commencer et donner la parole à Pauline, à l'Institut français du Togo. Bonjour Pauline. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors, pour revenir un peu sur ce que disait Martin, désolé, j'ai un petit écho. Alors juste Pauline, si tu pouvais parler un petit peu plus fort. Attends, alors c'est à cause de l'écho. D'accord. Désolée, je vais simplement refaire une manipulation. D'accord, donc il y a Pauline qui se reconnecte. Le son de son côté est un petit peu moins fort que pour nous. Donc voilà, montez un petit peu le son pour nous écouter. Voilà, et peut-être Pauline, en tenant le micro plus près de la bouche, ça pourrait nous aider. Ok, alors là, j'espère que c'est tout bon. Bonjour à tous, première chose. Alors, en ce contexte aujourd'hui, donc je vais présenter un peu la situation que nous avons au Togo. Donc, je suis chargée du centre de langue à l'Institut français du Togo. Donc, nous avons des examens, évidemment, et puis des cours de langue. Donc, pour revenir un peu sur ce que disait Martin, à l'Institut au Togo, le contexte low-tech, c'est un peu difficile à définir puisque finalement, nous n'avons jamais vraiment eu d'high-tech. Les personnes, le contexte des pratiques numériques au Togo est similaire à beaucoup de pays en Afrique. Les personnes ont accédé à Internet directement via des smartphones. Ils n'ont pas forcément connu l'usage des ordinateurs. Pour ces raisons-là, dans un contexte comme celui-ci, la fermeture de l'Institut français depuis ce lundi, nous avons souhaité donc organiser la continuité pédagogique du centre de langue. Alors, pour revenir un peu, donc première chose sur le centre de langue, c'est un petit centre qui existe depuis 5 ans avec une équipe de vacataires. Donc, il était important pour nous de maintenir les apprenants que l'on a à l'Institut pour justement continuer à avoir cette image du centre de langue que l'on essaye, on essaye énormément de communiquer à propos du centre de langue et de maintenir donc nos usagers, évidemment. Pour ce qui est donc de nos cours, nous avons donc maintenu des cours de FLE, mais nous avons aussi des cours d'anglais dans le centre, des cours de MINA, la langue locale, et beaucoup de cours de préparation aux examens. Il y a un très fort enjeu lié aux examens à l'Institut français du Togo. Pour pouvoir mettre en place tous ces examens avec un enjeu qui est très lié à l'immigration ou à l'admission en université dans des pays étrangers. Il nous a fallu maintenir à tout prix ces cours de préparation maintenant pour pouvoir gérer ces examens dès l'ouverture, dès la réouverture du moins. J'espère que vous m'entendez bien et que vous n'entendez pas d'écho. Non, voilà, on entend très bien maintenant. Si l'écho te gêne, tu peux enlever tes écouteurs. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, pour ce qui est de nos actions que l'on a mises en place à l'Institut français,
Donc, dans ce contexte-là, je le répète, donc les apprenants ont un usage de l'Internet que via les smartphones, quasiment, en grande majorité. L'accès aux médias est très souvent fait à travers WhatsApp. Donc, c'est une application qui est énormément utilisée à travers tout le Togo. On le voit également pour les messages de santé, de prévention, etc. Donc, les informations passent essentiellement auprès d'eux. Je vais vous présenter donc les outils que l'on a mis en place. Donc, vous verrez dans un premier temps les outils de communication que donc, j'ai créés à destination de nos apprenants pour qu'ils puissent rapidement essayer de télécharger les applications. Donc l'important pour nous, étant une petite équipe, était de rapidement se former, donc pour moi de former les enseignants à l'usage de plusieurs applications. Et donc j'ai choisi dès le départ de me centrer sur 5 applications et sites vers lesquels ils pourraient se tourner pour pouvoir justement aller dans la pratique directement et pour pouvoir avoir un accès direct avec nos apprenants. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps. Alors, donc la première chose, c'est que donc nous avons construit tout de suite donc un visuel de communication aux apprenants pour pouvoir communiquer. Il était très important pour nous de communiquer via WhatsApp, de communiquer via Messenger, via nos réseaux sociaux, aux apprenants pour leur dire que nous n'allions pas les laisser tomber et qu'il fallait rester avec nous. Donc, pour information, tous ces cours étaient déjà programmés. Nous assurons aujourd'hui la continuité pédagogique, en sachant que nous avions des cours qui étaient programmés jusqu'à fin avril. Voilà, donc ça, c'est simplement un petit visuel de communication qui a été fait très rapidement. Par la suite, un second visuel qui a été créé était à destination donc des apprenants pour le téléchargement des applications pour mes cours en ligne. Donc j'ai créé cette disposition-là pour eux. Donc en choisissant ces 5 applications de base qui nous serviraient en permanence pour ces cours. Donc vous avez WhatsApp, TV5 Monde, Apprendre le français, Zoom, Kahoot et Culture Tech. Donc, il a été vraiment important de se concentrer pour être tout de suite efficace en termes de formation des enseignants et de communication. Voilà. Donc, ça a été... Je vais vous présenter maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces applications? Et comment est-ce que les enseignants s'en sortent donc dans un seul cours? Donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'un cours virtuel demande énormément de présence, de temps d'échange entre les apprenants. Et ces mêmes apprenants doivent être essentiellement toujours sollicités pendant le cours. Donc, nous avons, par ce biais, installé donc, plusieurs outils. Donc, vous voyez, comme je le disais sur la première trame qui a été à destination des apprenants, celle-ci à destination des enseignants, donc vous voyez WhatsApp. Donc c'est un outil de communication principal ici et aussi de cours virtuels. On verra dans un second temps pourquoi est-ce que parfois nous en servons également comme outil principal de cours. Donc en dehors des séances, cet outil nous permet donc de partager des contenus, des tutoriels d'installation, notamment un que je vais vous montrer plus tard, et la communication générale sur l'ouverture de ses cours, etc. Pendant les séances, via WhatsApp, les enseignants donc accueillent, présentent les objectifs et le contenu, transfèrent le document ressource. Donc, ce document ressource peut être une vidéo, un audio. Il est important de simplement les télécharger pour transformer les formats et pouvoir les envoyer sur WhatsApp. Il existe un grand nombre d'applications pour pouvoir le faire.
C'est un outil aussi qui vous permet de donner donc des consignes, évidemment à l'écrit comme à l'oral. Faut savoir que beaucoup de communication via WhatsApp ici au Togo se fait par message vocal. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ceci. Et donc enfin, communiquer le travail en autonomie en fin de séance. Donc c'est vraiment notre outil de base sur lequel on se cale tout le cours avec WhatsApp. Donc la première chose à faire pour ces enseignants était de créer une liste et donc un groupe sur WhatsApp, ce qui se fait très facilement. Ensuite, pour une application qui devient de plus en plus connue, donc Zoom, qui est donc un outil qui peut être utilisé pour la visioconférence. Cet outil, il faut être vigilant dans un contexte low-tech comme le Togo, puisqu'il requiert une situation très stable des apprenants. Donc, il est important via le groupe WhatsApp de pouvoir justement demander et visionner les dispositions numériques et les ressources numériques de chaque apprenant. Donc, si cet outil est envisageable avec le groupe, il est très simple de former les enseignants sur Zoom. Il est également très simple de montrer cela aux apprenants. Donc, vous pouvez pendant la séance partager et annoter des documents. Vous pouvez partager votre écran directement. Vous pouvez également utiliser un tableau blanc collaboratif. Donc, vous pouvez même le préparer en amont. Vous pouvez préparer énormément de choses en amont sur Zoom. Normalement, il y a 40 minutes gratuites sur Zoom, mais en ces temps de coronavirus, ils ont augmenté le temps de présence disponible sur Zoom. Donc, vous avez la possibilité de mener des cours il me semble, 1h30. Hier, on a pu tenir 2 heures en réunion. Voilà, donc pour cette application Zoom, je laisserai la parole à Jérôme qui va vous montrer une vidéo de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Donc, on a effectivement appelé certains établissements du réseau à porter leur témoignage. Et donc, un exemple d'action menée par l'Institut français de Côte d'Ivoire pour faire la promotion de Zoom et de la bascule des cours vers d'une modalité en ligne, à distance et de classe virtuelle. Je cherche la vidéo et je la partage. Attends, c'est ça.
Donc voilà la vidéo qui a été proposée par l'Institut français de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, donc c'est l'annonce du passage à une nouvelle modalité de cours, d'un slogan, on va zoomer sur le français, ou on va zoomer en français, qui est assez percutant. Aussi le lien qui est maintenu, et je pense que Pauline et Soufiane en parlent, l'importance de maintenir un lien avec sa communauté d'apprenants. Et également, du coup, le côté très humain et aussi de montrer que les professeurs et toutes les équipes derrière s'adaptent à cette nouvelle situation, se forment à de nouveaux outils pour pouvoir proposer une nouvelle forme de cours derrière aux élèves. On avait quelques questions sur Zoom. Est-ce que Zoom, on peut l'utiliser sur son téléphone? Et au niveau de la bande passante, alors pour ça, peut-être que je peux y répondre un petit peu. Normalement, les solutions comme ça de visioconférence s'adaptent à la bande passante disponible et donc la qualité d'image va être plus ou moins bonne selon la qualité de la connexion des uns et des autres. Donc normalement, ce type de logiciel-là va s'adapter à la bande passante. Après, si on a une bande passante qui est trop faible, peut-être que l'image elle est coupée. Donc on perd quand même de l'intérêt ou que l'image est trop dégradée. C'est des choses à tester, mais normalement, ça s'adapte à la bande passante. Est-ce que Zoom, on peut l'utiliser sur son smartphone? Oui, Pauline. justement. Zoom, on peut l'utiliser sur son smartphone et on a trois écrans. Un écran pour l'oral, Peut-être, pour Pauline, simplement activer notre de micro. reprendre le micro près de la bouche. On a un écran pour le. C'est bon? Un écran pour activer l'oral, un écran de vidéo et un écran de partage d'écran de l'enseignant. Donc, effectivement, c'est très simple aussi sur smartphone. Ouais. Vous m'entendez? Je voulais ajouter aussi que le risque, par contre, avec Zoom, c'est que ça demande d'avoir un smartphone quand même de bonne qualité. J'en parlerai peut-être après, mais c'est vrai qu'avec certains professeurs et les smartphones qu'ils avaient n'étaient pas forcément compatibles avec des visioconférences de 40 minutes, le téléphone chauffé, etc. Donc, c'est un détail important. Merci Soufiane. Merci Soufiane. Il y avait une autre question, c'était sur alternative à WhatsApp dans des contextes où les apprenants ne souhaitent pas partager les numéros de téléphone. Et c'est vrai que sur WhatsApp, en fait, on a un groupe et on voit les numéros de téléphone des uns et des autres. Dans certains contextes, là, ce qu'on indique, c'est par exemple des jeunes femmes qui ne veulent pas forcément partager leur numéro de téléphone. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative? Alors moi, je connais KakaoTalk, qui est une messagerie qui vient de Corée du Sud, mais qui est disponible partout dans le monde. C'est Kakao Talk. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres messageries. Je ne sais pas si Soufiane ou Pauline en connaissent d'autres. Pour ma part, je n'en connais pas d'autres utilisés ici, et pas d'autres non plus. Non, pareil, c'est un peu une nouveauté, les applications de visioconférence. Donc, Zoom, ça reste quand même la référence, quoi. Ouais, là, c'était par rapport à WhatsApp. C'est vrai que les applications de visio, c'est encore autre chose, mais c'était de messagerie instantanée. Ah. Donc voilà, après, c'est possible, enfin, ça reste des applications gratuites, tout le son, enfin, comme WhatsApp Play. Donc, ça peut être possible de faire appel à un autre dispositif. Donc voilà, pour moi, je connaissais KakaoTalk et on ne partage pas de numéro de téléphone et on peut créer des groupes, etc. Ok, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Maintenant, peut-être Pauline, pour reprendre la suite de la présentation. Oui. Alors, je reviens simplement sur Zoom pour ceux qui donc auraient peur que ça ne fonctionne pas et de la bande passante. C'est justement pour ça également que je vous disais que WhatsApp peut être très bien utilisé pour aussi le cours. Alors, je reviens donc sur ma trame. Donc, en lieu et place de Zoom, si vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser, que cela requiert beaucoup de formation ou que les personnes n'ont vraiment pas une connexion stable
Vous pouvez également utiliser l'application TV5Monde Apprendre le français. Donc, c'est une nouvelle application qui est sortie très récemment. Évidemment, on connaît tous donc, le site Internet directement avec un très grand nombre de ressources. Sur smartphone, vous avez donc aussi cette application qui vous permettra notamment de guider donc, vos apprenants vers des ressources complémentaires. Donc, pendant la séance, vous pouvez donc utiliser les vidéos, des émissions ou reportages en activités complémentaires en fonction des objectifs prédéfinis de la leçon. Donc, ça demande tout un travail en amont pour bien repérer donc cette vidéo. Elle peut donc, plutôt que l'outil de visioconférence, vous pouvez donner en parallèle à WhatsApp une activité, une vidéo à regarder sur TV5Monde et revenir sur des activités. Donc, vous avez également des ressources, notamment avec pour nous qui utilisons donc Totem. Il y a des vidéos qui sont donc reliées à cette collection. Donc, pour l'application TV5Monde, par exemple, pour montrer à nos apprenants comment la télécharger et comment l'utiliser, il est très simple de créer donc un tutoriel sur smartphone. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai créé donc pour nos apprenants afin qu'ils puissent l'installer et l'utiliser. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment installer et utiliser l'application TV5Monde Apprendre le français sur votre smartphone. Cette application est disponible sur Android et sur Apple. Tout d'abord, vous devez la télécharger directement sur votre smartphone. Ici, j'utilise Play Store. Et je recherche l'application. La voici. Je l'installe. Une fois installée, vous pouvez choisir la langue de votre choix pour la navigation. Pour ma part, je choisis le français. Vous pourrez ensuite découvrir une démonstration générale de toutes les fonctionnalités de cette application. Enfin, vous devez choisir le niveau qui vous correspond le mieux. J'arrête un petit peu là la vidéo, donc qui continue, qui est pendant encore une cinquantaine de secondes. Donc, il y avait déjà des questions là-dessus. Vous avez fait une capture vidéo pour ça. Justement, je pense que c'est un des points que tu souhaitais aborder. Et également, j'aimerais avoir ce tutoriel. Donc, c'est un tutoriel qu'on pourra partager sur le groupe IFProf dédié à la situation actuelle de crise sanitaire, coronavirus et FLE. Martin vous remettra le lien. Et je pense que le lien est également dans les questions diverses. Alors, peut-être Pauline, sur la création de ce tutoriel. Merci Jérôme. Oui, donc vous pouvez tout à fait avoir donc les tutoriels. J'en ai créé donc plusieurs avec toutes les applications donc, que l'on a intégrées dans notre trame. Je les mettrai en ligne sans problème. Donc, c'est très simple. Pour pouvoir communiquer facilement sur WhatsApp auprès de tout votre public, vous pouvez installer, si vous n'avez pas cette fonctionnalité sur votre téléphone, vous pouvez installer des applications qui vous permettront de faire des captures vidéo d'enregistrement. Donc, c'est très simple. Vous avez juste après à défiler et vous pouvez ajouter un audio également. Donc, certaines applications le permettent pour pouvoir combiner comme ceci. Ça peut être donc fait en 10 minutes et envoyé directement aux apprenants. C'est pareil pour chaque application. Les professeurs donc, ont à disposition ces captures de vidéos d'enregistrement et donc peuvent aussi donner sous forme de consignes et utiliser justement ces captures à des fins pédagogiques pour accéder aux applications et à une vidéo, par exemple, spécifique.
petit problème de connexion pour Pauline. Donc, effectivement, ces liens vont être partagés sur le groupe IFProf. Et vous pourrez aussi poser des questions, comment le faire. Je pense qu'on peut aussi trouver des tutoriels, selon si l'on soit sur iOS ou sur Android, le fonctionnement est un petit peu différent, mais on peut faire ces captures vidéo qui peuvent être du coup partagées très facilement. Et Pauline est revenue. Ah, mais je ne sais pas si elle nous entend. On avait une question, alors peut-être Soufiane aussi pour en parler là. Comment motiver alors, les élèves et les instituts à utiliser les divers outils. Donc un exemple typique de ce qui peut arriver au Togo. Ah. Pas qu'au Togo. Une connexion Internet qui saute, et même avec la fibre. Voilà, donc pour ce qui est, donc je termine rapidement donc sur cette trame que je pourrais évidemment vous envoyer. Donc, l'application, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Jérôme? Oui, mais peut-être ça marche très bien. Tu ne nous entends pas. Bon, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? On t'entend. Ça y est, ok, nickel. Je n'entends pas mes collègues. Ok, très bien. Donc, pour terminer donc une séance sur WhatsApp via donc un smartphone, vous pouvez également utiliser Kahoot. Donc, c'est un outil qui est très bien, qui vous permettra donc d'avoir accès à un grand nombre de cartes interactives. Vous pouvez vous-même les créer, où il existe également une très grande base de contenu, déjà créée en langue française et aussi en anglais. Donc c'est très pratique pour nous, donc ça couvre donc déjà plusieurs cours. Vous pouvez donc, faut savoir qu'il faut donc bien varier les contenus pour maintenir l'attention de tout le monde, je le répète, dans un cours virtuel. Donc il est essentiel, par exemple en fin de cours, quand les apprenants sont un peu fatigués, perdent l'attention, de pouvoir leur communiquer des jeux à faire via Kahoot. Donc, vous pouvez leur donner la consigne en indiquant des mots-clés, justement, dans l'application pour qu'ils puissent s'amuser. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit pour les apprenants. Il suffit de faire un compte. Et puis, vous pouvez gratuitement créer deux types de quiz. Donc, il y a une fonctionnalité gratuite et évidemment premium pour plus grande fonctionnalité. Il faut savoir que tout ce que je vous présente, c'est valable sur smartphone. Et c'est gratuit. C'est un point extrêmement important pour nos usagers et pour nos enseignants au Togo. Pour Kahoot, je laisserai donc en même temps Jérôme qui va présenter une vidéo de mes collègues de l'Institut français du Bénin qui utilise donc Padlet. C'est un autre outil qui peut venir justement aussi dans ce type-là, en complément. Voilà, oui, donc effectivement, on avait parlé de Kahoot. Il y a Colin qui avait parlé de Frandapad, mais qui a été un petit peu victime de la situation et de la montée en charge de ses serveurs. Padlet permet de faire des choses et on va voir donc là une illustration qui nous a été proposée par l'Institut français de Cotonou Bénin, que l'on remercie vivement, et qui utilise donc Padlet, également WhatsApp. Voilà, ici. L'Institut français de Cotonou au Bénin. L'Institut a fermé ses portes ce matin au public. Je suis Estelle Dago, attachée de coopération pour le français au Bénin et responsable du centre de langue de l'Institut français. Alors, afin d'organiser la continuité pédagogique avec les apprenants de notre dernière session, nous leur proposons des activités via un Padlet, principalement des vidéos, des questionnaires de compréhension globale que nous proposons sous forme de Google
forme, ce qui nous permet d'avoir un retour sur les réponses et de pouvoir un peu évaluer les activités proposées. Je suis Dolfo, je vous présente à quoi ressemble notre Padlet que nous proposons du 25 au 1er avril. Pour le niveau A2, nous commençons par une activité de compréhension orale avec cette langue unie les 88 États et gouvernements, qui sera suivie par une question de compréhension globale sous forme de Google Form. Ensuite, nous proposons un exercice de conjugaison qui sera suivi par un quiz. Et pour finir, nous vous proposons pour chaque niveau un formulaire intitulé « Donnez-nous votre avis » qui nous permet de recueillir l'avis des apprenants sur les difficultés des activités et du contenu. Cela nous aidera à réaliser le Padlet de la prochaine période. Bonjour, je suis Grace. Je constitue les groupes WhatsApp pour envoyer le lien à nos apprenants vers notre Padlet. Tu as vu comme elle ressemble à sa sœur? C'est incroyable. Donc, voilà ce que l'Institut français de Cotonou-Bénin a mis en place autour de Padlet. Donc, cette vidéo donc, était proposée par nos collègues donc, de l'Institut français du Bénin donc, sur Padlet. Pour terminer, donc, vous avez également l'accès donc, à présenter donc, à vos apprenants pour maintenir un contact permanent avec eux, l'accès donc évidemment à Culture Tech que l'on connaît tous. Par exemple, à l'Institut français du Togo, nous avons mis en place un Zoom, un focus sur une ressource présente sur Culture Tech qui va donc apparaître une fois par semaine afin de pouvoir justement guider les apprenants sur toutes ces ressources et maintenir le lien avec la langue française. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole. Donc, j'ai un peu dépassé avec les vidéos la parole à Soufiane, donc mon collègue de l'Alliance française, éthio-française, d'Addis Abeba. Ouais. Merci. Alors, bonjour, Soufiane. Ouais, juste dans la transition, il y avait des petites questions et puis un petit avertissement. Attention avec Zoom. C'est qu'il faut se mettre en Wi-Fi et faire attention aux données data parce que c'est vrai que c'est un gros problème de tout ce qui est vidéo en ligne. C'est que ça consomme énormément de bande passante. Et donc là, il y avait eu quand même le cas à l'Union française de Bristol où un étudiant a reçu une facture de 370 livres en supplément de sa facture habituelle. Donc, ce qui est quand même assez énorme et je pense qu'il ne devait pas être très, très content non plus. Donc, faire attention à ça. On parlait sur des téléchargements des ressources hors ligne. Par exemple, l'application de TV5Monde, il est possible de télécharger certains exercices à l'avance pour les consulter après hors ligne, donc hors connexion. Donc, il faudrait conseiller à ses apprenants de télécharger certains exercices quand ils sont sur un point d'accès Wi-Fi, pour après les faire de manière plus facile. Voilà. Et donc maintenant, place à Soufiane qui va nous présenter ce qu'il a mis en place à l'Alliance éthio-française. Ouais, c'est exactement précisément ce qu'on est en train de mettre en place, étant donné qu'on a tous été pris de court avec la situation. Donc pour vous présenter rapidement, peut-être, j'aimerais bien revenir peut-être sur le contexte low-tech, donc ici en Éthiopie, donc nous avons une alliance française qui a à peu près 4000 apprenants par an, avec pour résumer deux types de cours, avec des cours privés et des cours collectifs comme un peu partout, sans rentrer dans les domaines fleux. L'environnement low-tech en Éthiopie, on parle souvent des faiblesses du numérique, mais c'est aussi une autre manière de consommer Internet, c'est une autre manière de se connecter à Internet. J'ai essayé de mettre quelques points clés avec quelques chiffres pour que nos collègues aussi puissent arriver à se projeter aussi sur ce que veut dire un environnement low-tech. Donc, on parle de révolution du smartphone. En Éthiopie, on a trouvé les chiffres qu'il y avait plus de 65% des ventes depuis 3 ans. Ça correspond au double de la moyenne mondiale. On parle de l'extension du réseau aussi où apparemment il y a la consommation Internet a triplé depuis ces 3 dernières années. De son côté, le gouvernement fait des efforts en essayant de rendre les coûts
moins cher, même si en Éthiopie, ça reste vraiment. C'est une connexion qui coûte assez cher. On parle de $60 pour une connexion maison avec 4 mégas. La 4G limité, c'est à peu près pareil aussi, c'est autour de $60. Quand on sait que c'est un pays à faible revenu avec à peu près une moyenne de 200-300 euros par mois, on comprend très vite qu'Internet, tout le monde limite sa consommation il y a ce concept de data conscious qui est en fait d'avoir conscience de ce que l'on consomme, et donc les vidéos, les visioconférences, etc., c'est des choses qui ne marchent pas forcément ici, comme les téléchargements, parce que tout simplement ça coûte cher. Par contre, du côté du français, on sait qu'il y a une demande vraiment 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 présente ici en Éthiopie. En Afrique de l'Est, c'est clair que parce que c'est la zone d'Afrique non francophone, on comprend que le français, par rapport aux data de Duolingo, est la langue la plus apprise sur cette application là Sur la consommation et sur les habitudes, en fait, des Éthiopiens, nous avons mené aussi des enquêtes. Alors ça, c'était des enquêtes dans le cadre du lancement du produit Langbot que j'évoquerai un peu plus tard. Vous avez d'ailleurs l'en-tête d'un article qui a été paru dans Le Monde sur cette innovation menée ici en Éthiopie. Donc clairement, ce qu'on appelle l'ultra-domination des réseaux sociaux, avec pour une ville de 7 millions d'habitants, Addis Abeba, nous avons 3,6 millions d'utilisateurs Facebook. Nous, sur notre page Facebook, nous avons également 30 000 abonnés. Toute notre communication passe par là. Et c'est un point essentiel pour ce que je vais essayer d'expliquer plus tard. Sur le plan numérique, Alliance française, donc nous, on est fermé depuis 3 semaines, ce qui n'est pas de chance pour nous, car en fait, ça correspond pile poil au moment des inscriptions. On risque de ne pas fermer, donc on risque de ne pas réouvrir. L'urgence était de trouver des solutions rapidement à que faire pendant cette suspension des cours, en sachant que ces suspensions des cours, il y avait 3 problèmes identifiés auxquels les solutions numériques devaient répondre. À la fois l'impact financier, tout le monde peut comprendre que les recettes des cours, c'est important et vital pour une Alliance française, encore plus, je dirais. L'impact RH, il y avait à Addis Abeba, nous avons 30 professeurs vacataires, donc la suspension des activités est égale à la suspension des salaires. Il y avait une risque clairement de perdre son équipe enseignante et donc de ne pas pouvoir aussi mettre de plan numérique parce qu'ils ont besoin d'avoir des ressources, notamment dans cette période-là. Il y avait une crainte aussi que l'on aborde très peu, mais c'est vrai que c'est cette crainte sur l'évolution du métier. On en avait parlé un peu avec Jérôme il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'est-ce que va devenir mon métier, qu'est-ce qui va changer dans les pratiques d'enseignement. Et clairement, on s'oriente vers plus de conception et plus d'animation numérique. Et bien sûr, le facteur humain dans le sens où il est difficile d'abandonner toute son équipe enseignante, surtout dans ces moments-là, en leur disant écoutez, pas de cours, pas de recettes, donc débrouillez-vous. Donc, c'est vraiment pas le choix qu'on a choisi ici à Addis Abeba. Pour l'impact à traductivité et numérique, c'est assez corrélé. C'est-à-dire qu'un environnement low-tech avec une instabilité numérique, avec des coûts élevés, quel sera l'intérêt pour l'apprentissage du français sur des applications de visioconférence, etc. Il y a clairement un risque de perdre le public Alliance française, et pour moi, c'est vraiment le facteur premier. C'est-à-dire que là, il faut déjà anticiper la reprise et proposer une solution dès à présent à notre public. Quand je parle de public, je parle notamment du public qui vient à la session de cours collectif. Tout ça pour éviter en fait une reprise lente et une baisse du nombre de cours par professeur. L'idée de mettre en place une session, alors les sessions de cours collectifs à l'Alliance française d'Addis Abeba, c'est à peu près 750 élèves, une quarantaine de cours. L'idée de mettre une e-session correspondrait plus à favoriser les discontinuités pédagogiques. Mais ça, c'est un avis entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui peuvent acheter un accès à Internet et ceux qui ne peuvent pas avoir un accès à Internet. Ou même des choses même plus simples, ceux qui peuvent s'isoler chez eux pour apprendre et ceux qui ne peuvent pas. De plus, est-ce que c'est compatible justement avec ces smartphones ou comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, où certes il y a un boom des smartphones, mais c'est pas forcément les smartphones dernier cri. Bref, autant de difficultés où on a essayé de répondre en fait à partir de différentes solutions que je vous exposerai plus tard. Sur la perte du public Alliance française, il y a une chose aussi que je voulais évoquer, c'est qu'il y a énormément de, 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 de,
de startups aujourd'hui qui font ce type de cours-là. Et la crainte que l'on peut avoir, mais ça, c'est de manière plus générale, pas forcément à Addis Abeba, c'est justement d'une fuite des publications françaises vers ces startups-là qui ont énormément de moyens et qui pratiquent déjà en fait les cours de français avec des professeurs en ligne. Et là tout pour nous à l'Alliance et pour beaucoup d'Alliances, en fait, pour le réseau en général, c'est quand même la proximité et le présentiel. Donc à partir du moment où on a plus ça, on se met directement en concurrence avec d'autres startups qui ont énormément de moyens. Et clairement, il y a un risque de perdre notre public Alliance française. Donc face à tout ça, en fait, nous, c'est très simple. Donc on va mettre en place des applications de communication à distance, mais seulement pour les cours privés, parce que les cours privés, c'est la chose la plus facile à mettre en place. Et de deux, ça permettrait d'avoir des recettes minimum. Quand je parle de cours privés, je vous expliquerai un peu plus tard en détail. Et ensuite, pour la communauté des apprenants en général et donc pour les sessions de cours collectifs, nous avons décidé de se focaliser sur deux points, sur les chatbots et sur le community management. Plus simplement, l'animation de la communauté des apprenants. Donc, pour les cours privés et individuels, ce que je vous ai expliqué, c'est que donc il y aura pour les cours privés individuels Skype avec les modalités que tout le monde connaît aujourd'hui. J'ai peut-être pas besoin d'y revenir. Et avec certains risques que j'évoquais, avec le crédit Internet, le peu de retour aussi. Est-ce que c'est le moment d'apprendre le français? On verra. On va clairement faire du cas par cas et on va commencer dès la semaine prochaine. Et avec ce risque d'instabilité numérique. Pour les cours privés collectifs, nous avons quelques-uns dans des institutions de type ministère, Total, les grandes entreprises. Et là, on pourrait clairement expérimenter Zoom avec toujours les mêmes risques. Le gros du problème, se situe sur les sessions de cours collectifs et sur les nouveaux publics. C'est-à-dire que même en suspension des cours, on se doit en fait de prospecter, d'essayer d'avoir un nouveau public et de proposer quelque chose, même si l'on n'arrive pas à proposer de 10 sessions. Pour les cours, pour le nouveau public et le niveau A1, pour les débutants, tout simplement, en fait, nous avons à Addis Abeba donc expérimenté ce qu'on appelle des chatbots, c'est comme un robot en fait conçu par les professeurs de l'Alliance et moi-même et ainsi que de la start-up partenaire, je pense à Rémi. C'est tout simplement la création de leçons à partir de Facebook Messenger. Le plus simple, ça serait tout simplement de vous montrer à quoi ça ressemble. Tac, tac, tac. Elle n'est plus là. Une seconde. Voilà. Donc, disponible à partir de chaque smartphone. On se connecte sur la page Alliance française d'Addis Abeba, puis on envoie un message à partir de là. Vous avez Facebook Messenger, donc l'application Facebook Messenger qui s'ouvre, et vous commencez la conversation avec tout simplement ce qu'on appelle notre chatbot. Donc c'est un outil aussi de communication où on peut avoir toutes les informations sur l'Alliance. D'ailleurs, vous verrez que si on clique sur classe, j'ai oublié de changer le texte parce qu'on parle de la session qui commence début avril, donc ça va falloir que je le change. Ensuite, quand on clique sur Learn Messenger, donc vous avez en fait tout le menu des cours avec le 1. En amérique, le 1. En français, nos tests de placement, etc. Quand on clique sur le 1. En français, vous avez donc plusieurs types de leçons avec une progression bien sûr construite sur le CECR avec les livres bleus qui correspondent en fait à des leçons avec un objectif de communication. Tout ce qui est vert et rouge, en fait, ce sont des cours annexes de vocabulaire, de grammaire, qui permettent en fait d'accomplir l'objectif de communication premier, ou alors d'aller plus loin. Donc, une fois qu'on clique sur le début d'un cours, par exemple, si j'avance un peu la vidéo, ça va commencer avec exprimer ses goûts, il me semble. Voilà, donc ça reste nominatif. C'est-à-dire que le bot vous appelle par votre prénom et vous demande et vous annonce l'objectif en premier lieu. Et ensuite, on commence sur une batterie. Plus que des exercices, c'est qu'on a essayé de garder en fait la structure d'un cours FLEU, c'est-à-dire de partir de la sensibilisation en allant jusqu'à la production et évaluation à la fin, en essayant de conceptualiser également la partie grammaire. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'on peut également travailler la compréhension orale, la compréhension écrite. On peut très bien travailler la production où on demande à l'élève tout simplement de plus que de produire en fait une réponse, mais de produire un texte.
Par exemple, ici, je réponds tout simplement à la question de traduction. Le robot me répond et ensuite m'encourage, essaie de. Et on évolue ensuite sur. J'avance un peu sur la leçon, avec la partie grammaire, etc. etc. Donc ça, c'est déjà disponible pour les professeurs, de la, pour les élèves de l'Alliance, par exemple. Attendez, je vous remets. Donc c'est une offre qui est déjà disponible pour les élèves de l'Alliance, pour le nouveau public et pour les élèves de l'Alliance en Éthiopie. Là, vous voyez la campagne de publicité qui est en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs aussi qui nous écoutent. Donc le premier réflexe qu'on a, c'est quand on voit ce type de produit, on se dit mais qu'est-ce que ça doit être très compliqué de développer et ça demande des compétences en informatique, pas du tout. En fait, c'est une plateforme. Voilà, on peut un petit peu en parler. Il y a des questions. C'est quel logiciel avez-vous utilisé pour créer le chatbot? Donc, c'est une start-up franco-éthiopienne qui a créé ce chatbot et en fait qui trouve son origine à l'Alliance éthio-française. Cette société s'appelle Botter.io. À son lancement, ça s'appelait Langbot.io. Exactement. Et donc, c'est un chatbot, ça propose une solution clé en main pour créer son chatbot. C'est un chatbot qui a été imaginé dès le départ pour des établissements, des alliances françaises, en fait. Des alliances françaises, des instituts français, avec un volet, comme Soufiane l'a montré, de présentation de l'établissement, où on va pouvoir donc donner des informations sur les horaires d'ouverture de l'établissement. Il peut répondre à des questions de base, c'est quand est-ce que vous êtes ouvert, quelle est la prochaine session de cours, etc. On peut programmer cette partie-là. Et puis, il y a également tout un volet que Soufiane va présenter maintenant, où on va se connecter sur une interface web, sur un site web, et on va pouvoir créer un cours. Soufiane vient de disparaître, mais donc c'est comme c'est un chatbot sur Messenger, sur Facebook Messenger, qu'on peut interfacer avec sa page Facebook, qu'on peut mettre en avant sur son site internet également, et qui permet de donner des informations automatiquement sur l'Alliance, sur l'établissement ou l'institut, et qui permet également de créer des cours comme une autre plateforme de création de cours en ligne. Sauf que c'est Messenger. Et l'avantage, encore une fois, alors là, on est dans un environnement low-tech, donc faut peut-être préciser, mais l'avantage, c'est quand même la facilité d'accès et la portée. C'est-à-dire qu'on se trouve, en fait, on se place là où les apprenants passent la majorité de leur temps, c'est-à-dire les réseaux sociaux, là où ils se sentent à l'aise. Et donc, c'est un complément de cours qui marche très bien. Sur les premières expérimentations, sur les 6 premières leçons, on a réussi à... La boîte a réussi à avoir 250 000 utilisateurs sur Facebook. Et nous, nous l'avons testé ici en Éthiopie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît énormément, notamment l'interactivité. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup d'applications, ici, on est là quand même pour chatter, quoi. Et ça change énormément de choses. Ouais, pour l'avoir essayé, en fait, c'est vrai qu'il y a un côté qui est très sympathique, beaucoup de smileys, etc. Il y a des questions qui sont posées, on a envie de répondre, il y a le côté un peu immédiat, on se lance dans un dialogue, et puis on a une question, on y répond, et il y a beaucoup d'engagement, en fait, pour reprendre un terme qui est très utilisé dans le milieu des startups, mais pour le coup, qui est vraiment approprié. Donc peut-être, il y a deux questions à voir, Soufiane, à quel moment de ta présentation tu réponds. Il y avait comment est-ce qu'on peut utiliser le chatbot de l'Alliance d'Alice? Est-ce qu'on peut déjà tester, voir comment ça fonctionne? Et donc aussi comment on peut le tester et accéder à ce dispositif? Mais je pense que tu vas en parler. Ouais, bien sûr. Pour le tester, je pense qu'en fait, on se pose vraiment la question, mais je ne suis pas le seul à décider, mais pour ce qui est de l'offre de l'Alliance française d'Addis Abeba, le chatbot, en tout cas, on pensait l'ouvrir pendant cette période justement de suspension des cours un peu partout dans le monde.
Pour ensuite, pour la conception, nous sommes également en train de discuter, de voir est-ce qu'il n'est pas possible aussi de rendre cette plateforme de création gratuite pour un temps, ne serait-ce que pour que les profs puissent essayer et voir si ça leur plaît. Et voilà. Donc ça, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Mais en tout cas, c'est en cours et on apportera des réponses là-dessus. Voilà. En tout cas, voilà, c'est deux, trois slides que je voulais vous montrer également. C'était la manière dont on crée un cours, donc pour vous montrer à quel point en fait c'est simple, c'est-à-dire qu'on remplit des cases et ensuite elles apparaissent tout simplement sur Messenger. C'est quasiment automatique. Il suffit en fait de construire son cours. Nous, on travaille par exemple sur Word, où on met tout sur Word et ensuite, à partir de là, on rentre tout sur la plateforme et puis ça devient un cours sur chatbot. L'avantage de cet outil-là aussi, c'est que ça peut créer. C'est un outil d'animation de la communauté des apprenants. C'est-à-dire qu'on peut très bien créer des groupes avec lesquels on interagit, avec lesquels on peut suivre les discussions exactement et plus précisément. Et donc, ça crée aussi une réelle proximité avec les élèves. Cette question de comité des apprenants, c'est la deuxième étape, en fait, c'est la deuxième stratégie de l'Alliance française d'ADIS. Comme je vous disais, à partir du moment où on ne peut pas créer de sessions numériques, Zoom, sur 40 cours avec l'instabilité qu'on connaît ici, l'objectif, c'est tout simplement de garder contact, encore une fois, et de développer d'autres angles d'apprentissage. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que bon, pour les nouveaux publics, on gardera le Langbot. Gratuit ou payant, ça, c'est encore une fois, on va déterminer. Ensuite, pour tous les restes, pour tous les autres niveaux, donc je me suis arrêté au B2 parce qu'en Éthiopie, les C1, C2, ça reste des cours privés, il y a très peu de demandes. On va passer par ce qu'on appelle l'animation de la communauté des apprenants, encore une fois, par notre page Facebook. Donc, nous avons créé une équipe de deux professeurs par niveau avec une activité par semaine. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est trois principes: animer, engager et rendre visible. Donc, animer, c'est-à-dire qu'à partir de la page Facebook, Facebook nous propose plusieurs supports, des vidéos, des mémos vocales, stories, et puis on peut encore une fois utiliser cette technologie Langbot. Et on peut créer des activités, des concours de production, des activités linguistiques, des quiz, etc. L'idée, c'est de créer, en fait, de créer, donc, comme je disais, des posts hebdomadaires avec des activités par niveau, avec des systèmes de concours. En termes de visibilité, ça va être des boosts, des présentations des lauréats, c'est-à-dire que là, on va avoir la dictée 2.0 qui va arriver dès mardi prochain, donc ça va être tous les mardis. Ça va être tout simplement un enregistrement, un prof qui s'enregistre en demandant de participer jusqu'à vendredi, en répondant avec un hashtag où l'on pourra tout simplement retrouver toutes les productions plus facilement. Et à partir de là, on communiquera sur qui a gagné, etc. Il y aura des prix à remporter, ça peut être, pourquoi pas, une inscription gratuite à l'avenir, ça peut être des accès culture tech, bref, tout ça est en construction également, faut pas l'oublier, et donc voilà. Donc ça va être un peu la stratégie menée pour la session des cours collectifs. Au final, notre conclusion, c'est celle-ci, c'est-à-dire que pendant ce temps de crise, en fait, il est nécessaire, encore une fois, d'apporter des solutions, donc de e-learning, mais pas que. Encore une fois, j'insiste sur garder le lien avec le public. Donc, l'impact financier, clairement, on peut voir que Zoom, Skype, il y aura un maintien minimum des recettes et des salaires. Sur le RH, on a demandé aux professeurs de changer, en fait, de pas forcément faire que de l'animation de classe, mais de concevoir des activités pour être posté sur notre page Facebook et pour demander aux élèves de l'Alliance, mais pas que, en fait, aux futurs élèves de l'Alliance, aux élèves des centres FLE ici en Éthiopie, etc., de participer à ces activités-là. C'est clairement un projet d'équipe et donc ça vise en fait à une reprise dynamique lorsque l'on sortira de cette crise-là. Voilà, c'est à peu près tout. Je remets mon écouteur parce que j'ai un écho. D'accord. Merci Soufiane pour cette présentation très intéressante. Il y a énormément de questions sur le Langbot et donc le chatbot Messenger que vous utilisez à l'Alliance française, enfin éthio-française d'Addis Abeba. Alors là-dessus, je sais qu'il y a des discussions avec la start-up qui développe ça.
Et on espère qu'il sera possible de le rendre disponible à beaucoup de structures rapidement et également de pouvoir mutualiser les séquences de cours qui seraient créées. Parce qu'évidemment, il y a cette question-là qui est posée sur une petite structure. On ne va pas forcément avoir le temps de développer des choses. Donc, essayez de voir comment on pourrait mutualiser ces ressources. Alors, si ça quelque chose qui vous intéresse déjà, je vous invite à participer sur le groupe IF Prof. Martin remettra le lien vers le groupe sur IF Prof. Également, n'hésitez pas à m'écrire. Et là-dessus aussi, en fin de webinaire, on va remettre toutes nos adresses e-mail. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à l'Institut français. Et en attendant, les questions sur là-dessus, c'était répondre au sondage. Si vous n'avez pas encore répondu au sondage, répondez au sondage pour ça nous aide à savoir qui vous êtes et quel type de webinaire on pourrait vous proposer. Et Martin partageait le lien pour rejoindre le groupe IF Prof. Alors, combien de temps pour créer une leçon sur le chatbot, peut-être Soufiane? Très bonne question. En fait, tout dépend du niveau aussi des enseignants, parce que ici en Éthiopie, clairement, on a évolué d'un statut d'animateur à concepteur. Mais honnêtement, ça prendrait 2-3 heures. Le plus gros problème, c'est de comment en fait adapter un cours lambda que l'on fait sur papier et qui est adaptable dans la classe. Et comment le transférer sur ces 12 interactions possibles. Donc ça demande un minimum de connaissances juste sur le comment utiliser et être familier avec toutes ces interactions. Mais je dirais oui, 2-3 heures. Ouais, comme tous les travaux de conception pédagogique, ça va dépendre forcément de l'enseignant derrière. Quand on a l'habitude de créer des exercices en ligne, ça vient assez naturellement. Au départ, il y a un temps de formation, il y a un temps d'accompagnement à prévoir. Et une fois qu'on a les équipes qui sont formées, c'est des choses qui peuvent aller assez vite. Quelles sont les... j'essaie de voir des questions là-dessus qu'on pourrait... Martin avait fait suivre. Sur les enseignants vacataires qui peuvent difficilement s'isoler chez eux, qui ont une culture numérique limitée, ils risquent de perdre une grande partie de leur salaire mensuel. Quel accompagnement vous faites par rapport aux équipes enseignantes? Donc, Colline et Soufiane. Peut-être Soufiane? Oui. Nous, pour le crédit Internet, on leur envoie, en fait. On leur envoie un crédit hebdomadaire d'un giga pour qu'ils puissent mener leurs recherches et qu'ils puissent continuer à travailler à la fois sur la conception d'activités ou potentiellement donc sur les retours de cours privés en Skype et Zoom. Sur les salaires, on a été obligé de prendre une moyenne par rapport au prorata des heures du mois précédent et d'établir un forfait, en fait, un forfait sur 3 mois, donc un forfait stable pour qu'ils puissent s'organiser. Voilà. En échange, bien sûr, de tout ce travail-là, bien sûr. Pauline? De notre côté, on a fait la même chose que donc à l'AF. On donne également, on envoie des cartes de crédit aux enseignants donc, qui ont donc moins de connexion chez eux. Donc j'ai fait donc tout un travail pour savoir de quels outils est-ce qu'ils disposaient. Et pour ceux, cela existe beaucoup, pour ceux qui ont moins d'expérience, il faut vraiment un accompagnement par téléphone, par message, chaque jour. Voilà, donc avant le cours, je fais un point avec les enseignants. C'est sûr que ça demande énormément d'investissement. Je pense que tout le monde a été pris un peu de cours, mais ils sont très motivés et il faut être prêt en tant que directeur de cours à les accompagner et à vraiment prendre le temps de les former. Je vois également une question, enfin toujours sur la préparation, l'accompagnement des enseignants.
si on ne peut pas travailler en direct avec eux. Alors, quelques éléments de réponse. Des fois, il y a des groupes Zoom d'enseignants qui se créent dans des institutions. Je pense que ça sera abordé dans le détail sur d'autres, dans un autre webinaire, futur webinaire, également des sites de partage, des forums aussi qui de partage entre enseignants. Là-dessus, on l'avait vu, je crois que c'était au Bénin, où ils avaient profité des quelques journées où ils pouvaient se retrouver pour monter des formations express là-dessus, parce qu'effectivement, dès que ça devient distance, ça devient plus compliqué. Il va y avoir dans les prochains webinaires, et vous pouvez déjà vous inscrire, et je pense que Martin pourra vous partager le lien pour vous y inscrire. Il va y avoir un webinaire spécial pour les enseignants, sur monter son cours à distance, monter, animer une séquence en visioconférence par Zoom ou par d'autres outils. On va avoir des webinaires sur ce thème-là, sur monter aussi des animations culturelles à distance. D'autres questions alors sur l'évaluation et sur les certifications. Alors, quels outils d'évaluation en fin de session utilisez-vous? Est-ce que on vous a déjà posé cette question-là? Et puis après, pour la préparation certification, c'est une grosse question, parce que derrière la préparation, il y a aussi le passage des certifications, et sans centre d'examen, ça devient plus compliqué. Mais déjà, sur l'évaluation, pour les sessions de cours normales, disons, l'évaluation. J'ai pas très bien compris la question, en fait. Comment évaluer le niveau des élèves si on fait tout à distance? Quels outils vous utiliseriez pour ça? Il existe des tests de placement en ligne, les plus connus, il y a Evalang, il y a le Café du Fleu aussi qui fait ça. Nous, pareil, on propose via chatbot également des tests de placement avec l'avantage de recevoir les productions orales où l'élève en fait s'enregistre à partir d'une consigne et donc je reçois par email les productions. De notre côté, on fait des tests de placement, c'est uniquement via WhatsApp. Donc là, on prend contact l'une des personnes avec les apprenants, et donc on fait un test à l'écrit avec une consigne et on teste toutes les compétences. Également oral directement par téléphone. Donc c'est un système vraiment low-tech, on revient à ça, mais on n'a pas encore d'abonnement au Café du FLE, ce genre de choses, pour des placements en ligne, et cela requiert également une connexion Internet sur un ordinateur, ce genre de choses, et on ne pourrait pas. Donc, via WhatsApp. D'accord, donc avec un rendez-vous, et puis il y a une séance en 1 à 1 avec un professeur. WhatsApp. Exactement. D'accord. Alors, on a déjà un petit peu dépassé sur l'horaire. On vous remercie de tous être là. Il y a encore deux questions. Alors, que proposer aux apprenants pour les garder? Je pense que la présentation de Soufiane, qu'il mettra à disposition sur le groupe ISProf, en parler justement de l'animation de communauté à travers Facebook, notamment, qui permet de conserver le lien avec les élèves. On avait vu ça également avec les vidéos en Côte d'Ivoire, de garder ce lien entre l'enseignant et l'élève. Et c'est vraiment important pour les prochaines sessions de cours, pour garder sa communauté et qu'ils puissent se réinscrire dès le jour où on pourra à nouveau proposer des réinscriptions. Je pense que c'était là l'enjeu de ta présentation, Soufiane. Clairement. Et sur les questions, on pourra alors, une fois que le webinaire est terminé, vous avez toujours accès au chat, vous avez toujours accès aux questions, on terminera de répondre à ces questions-là. Allez sur le groupe ISProf et on pourra continuer les échanges également sur ce groupe aussi, ISProf. Et donc, continuez, on va nous poursuivre à vous proposer un webinaire chaque jeudi avec différentes thématiques. Et merci à tous d'être là. Aussi, merci à nouveau à Pauline et à Soufiane pour leur intervention, alors que c'est une période très chargée, comme elle l'est pour tous. Et donc, bon courage à tous. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, Martin. Merci, Jérôme.
Merci à Martin d'avoir animé. Au revoir. Au revoir.